refaire le procès Papon, il a eu lieu, il a été ce qu'il a été, devait-on ou non le libérer? Je pense que vous avez la main, si j'ose dire, puisque la réponse pour l'instant sur le plan du droit, ça a été oui, il a été libéré. On devait évidemment le libérer et la justice devait le libérer, c'est ce qu'elle a fait en prenant une décision contestée par les uns, admise par les autres. La justice l'a libéré de façon totalement indépendante du pouvoir politique. Et c'est l'essence même de la justice que d'appliquer en toute indépendance à quelque citoyen que ce soit, y compris Maurice Papon, une loi nouvelle du 4 mars 2002 qui permet de faire prononcer des suspensions de peine lorsque deux rapports d'expertise médicale sont concordants pour dire que l'état de santé d'un détenu est durablement incompatible avec la détention ou engage le pronostic vital. Dans le cas précis de Maurice Papon, quatre experts ayant élaboré ces deux rapports d'expertise médicale, quatre experts désignés par la justice, payés par la justice, pas choisis par ses avocats, pas payés par ses avocats, ont conclu de façon concordante, en dépit des quelques pas que l'on a vu accomplir Maurice Papon pour rejoindre la voiture de ses avocats, ont conclu que son état était durablement incompatible avec la détention, des atteintes rénales, des atteintes cardiaques, des atteintes pulmonaires en évolution rapide, et que cet état, au surplus, engageait le pronostic vital à court terme. Dans 15 jours, dans 3 mois, dans un an, nul ne sait, mais à court terme. À 93 ans, de toute façon, on peut penser que ça peut arriver dans pas longtemps. Mais hein. à l'âge s'ajoute, il y a des gens à 93 ans qui peuvent encore bien être sûr. Bien portants en dépit de la vieillesse, mais à l'âge s'ajoutent des pathologies lourdes en évolution rapide. Alors, allez-y. Je suis un peu surpris d'entendre un certain nombre de nos bonnes consciences, parmi lesquelles Arnaud Klarsfeld, aujourd'hui par dépit, se soucier des personnes âgées et malades en prison. C'est la première fois que j'entends Arnaud Klarsfeld se soucier de cette question, encore une fois par dépit, parce que la loi s'est appliquée de manière impartiale à Maurice Papon. Vous avez dit tout à l'heure, sa libération est une injustice. Non, c'est une grande victoire de la justice que de lui avoir appliqué avec indépendance un texte humanitaire. Il ne s'agit pas, cette décision ne remet pas en cause le procès, ne remet pas en cause la condamnation. Vous faites une confusion volontaire entre le stade du procès, de la condamnation qui est intervenue, et le stade de l'exécution de la peine post-condamnation, qui est le seul sujet actuel, celui de l'application de cette loi humanitaire. Et je vous invite, car c'est aussi le rôle des avocats, à vous saisir d'un certain nombre de cas. Nous ne pourrons pas tout faire, nous ne pouvons pas nous spécialiser en gériatrie judiciaire, mais je vous invite comme moi à prendre en main un certain nombre de cas de vieillards et de sidéens pour obtenir des décisions conforme à celle dont a bénéficié Maurice Papon. Vous avez... Mais ça ouvre la voie à une application de cette loi. Oui. Vous pouvez pas nier que votre habileté... Attendez. Là, on a envie de dire quel dommage qu'on n'ait pas tous vu le main et votre confrère comme avocat. Parce que si c'est pas par des astuces politiques, des combines ou des avantages, c'est par votre talent à vous. Mais en tout cas, il n'a jamais été traité comme tout le monde. Notre talent, certainement. Merci. Mais quand j'entends parler de Maurice Papon, membre de l'establishment, qui aurait été protégé... Il aurait fallu l'avoir dans la cour d'assises. Qui aurait été protégé par l'establishment, il y a bien longtemps que l'establishment a lâché Maurice Papon. Il fait partie d'une génération de gens qui ont aujourd'hui 90 ans, qui n'ont plus aucun rôle dans la société civile. Et quand vous me dites qu'il aurait été protégé, il faut certainement des avocats tenaces. Je crois que c'est la meilleure arme pour un prisonnier, mais pour parler de la rapidité de la procédure, elle n'a pas été rapide. Il a fallu 4 mois. Et nous l'avons déclenché, cette procédure, je le dis quand même, lorsque Papon fut hospitalisé à Cochin en mai, pour une hémorragie interne, ayant perdu entre 1 litre et 1 litre et demi de son sang. Le cardiologue, quand j'ai parlé avec lui, mais c'est la réalité médicale, on est là pour parler de l'état de santé des prisonniers et de leur âge. Permettez-moi de le dire. Lorsque le cardiologue m'a parlé à Cochin, il m'a dit, si l'administration pénitentiaire me l'avait amené une demi-heure plus tard, il serait mort. Il y passait. Oui. J'entends dire certains, comme mon confrère William Bourdon, qu'il aurait compris qu'on libère Papon s'il avait été à l'article de la mort. Eh bien, ce confrère n'a rien compris à l'esprit de la loi nouvelle. L'esprit de cette loi nouvelle, c'est non pas de permettre de libérer des gens qui sont en train d'agoniser, mais de permettre de les libérer à un stade antérieur, à un moment où il est estimé que leur état n'est plus compatible avec la détention, c'est-à-dire à un moment où on constate que l'incarcération
aggrave et précipite les conséquences de la vieillesse. Tous les malades du sida sont dans ce cas. Oui. Sans exception. Oui. Oui, mais alors attendez. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne raisonne plus dans l'affaire Papon. On est dans l'émotionnel pur. Et la décision de justice est forcément rendue au pied du mur de l'exemple. Alors, je ne veux pas revenir sur le procès, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais là aussi, il y a eu des dizaines de polémiques qui ne sont pas éteintes. Ce qui est choquant, M. Tapie, c'est que le garde des Sceaux, par exemple, envisage un pourvoi pour la définition de ce qu'est l'ordre public. Alors moi, quand j'ai des gamins dans une cité qu'on met au trou sur le critère d'ordre public, il n'a jamais été défini par la Cour de cassation, l'ordre public. Aujourd'hui, pour des raisons démagogiques, parce que les politiques ne s'y laissent pas prendre. Il faut être contre Maurice Papon et hurler avec les loups. Parce que, naturellement, l'opinion publique est contre lui. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Attendez. À raison de l'émotion que génère le crime dont il est coupable et pour lequel... Laissez-moi terminer. Là, je vous interromps. Non, mais voilà, la question est en fait très simple. Qu'est-ce qui a entraîné cette confusion ? La suite de la procédure, elle aurait lieu de toute façon, même si notre client n'avait pas été libéré. Pourquoi ? Parce que le 25 juillet 2002, il y a deux mois, la Cour européenne des droits de l'homme, siégeant à Strasbourg, a condamné l'État français dans l'affaire Papon en ayant considéré que son procès n'avait pas été équitable. Ce qui nous permettra, pas maintenant, pas aujourd'hui, pas la semaine prochaine, pas dans les petits mois qui viennent, ce qui nous permettra, je vous dis quelles sont les conséquences procédurales, ce qui nous permettra de saisir la commission de réexamen de la Cour de cassation pour solliciter un nouveau procès. Qu'il ait été libéré ou pas, cette procédure suivait son cours. Et le problème, c'est qu'il y a eu télescopage entre cette ouverture procédurale qui nous est offerte, et au nom de quoi Maurice Papon renoncerait-il à ouverture procédurale? Au nom de quel diktat? Télescopage entre cette procédure toujours possible et sa libération. Donc,